Ce qui nous arrive, de bien ou de mauvais dans la vie, arrive pour une raison donnée. Ai-je juste conscience en Dieu? Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Merci d'être encore avec nous ce matin pour la une des journaux de tous les matins sur National TV. Nous sommes mardi 21 février 2023 et comme à notre habitude, il faut dire que le calendrier des faits annonce aujourd'hui une journée défavorable pour toutes les actions spirituelles et favorable pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Mekou. Le signal est donc au rouge. Vous qui croyez en ces détails, prenez la disposition qui s'impose. La une des journaux à présent et on démarre par le quotidien. La Couronne Info qui écrit ce matin: corruption transfrontalière dans l'espace CEDEAO. Les pays qui détiennent le record de mauvais élèves. Enfin, le Bénin absent de la liste. A titré ce matin La Couronne Info à sa une. En page 3, les détails sur le titre. Le Potentiel à présent qui écrit: démission au conseil communal de Sakété. Olga Akitobi Adedoyin. Un acte d'engagement dans la fonction parlementaire, a titré ce matin Le Potentiel à sa une. Un autre titre à la une du journal Le Potentiel ce matin: maintien des agents de TSDS comme en prison malgré leur acquittement par la justice. Evrad Sosoupe s'en remet au président Talon. Lire la première séquence de sa lettre ouverte adressée au chef de l'État dans les colonnes du journal Le Potentiel. Un autre titre à la une du journal Le Potentiel ce matin: Assemblée nationale, Louis Vlavonou félicité pour sa réélection par le personnel, a titré ce matin Le Potentiel à sa une. Les détails dans les colonnes du journal Le Potentiel de sa livraison de ce jour. La Nation à présent qui écrit: climat des affaires, plus de 56 500 entreprises créées en 2022. En page 5, les détails sur le titre. Le Béninois libéré à présent qui écrit: comme se confiant au Père Céleste de ce qu'il attend le soutien. L'émouvant lettre ouverte de Evrad Sosoupe de TSDS comme à Talon. Les détails dans les colonnes du journal Le Béninois libéré de sa livraison de ce jour. Bénin Criette, coupable d'une grosse escroquerie contre le Bénin, 7 ans ferme contre un compatriote de Macron. La Criette de Métanou ne connaît pas Colomb, a titré ce matin Le Béninois libéré à sa une. Un autre titre à la une du journal Le Béninois libéré ce matin: Bénin, mairie d'Aplahoué, Kazmi Sosou démissionne. Dans les colonnes du journal Le Béninois libéré, les détails sur le titre. Le Chronomètre en manchette ce matin affiche: infidélité des femmes et dislocation des foyers. Quel type de relation peut-on avoir avec un S, s'interroge le quotidien Le Chronomètre à sa une. Les détails en page 2 de sa livraison de ce jour qui nous propose également comme titre ce matin: santé vers la réduction du coût de la dialyse au Bénin. En page 8, les détails sur le titre, toujours à la une du journal Le Chronomètre ce matin: après la victoire de l'UP, le renouveau au dernier scrutin législatif à Adjoum, le député David Huensa reconnaissant parle des prochains défis avec les militants, a titré ce matin Le Chronomètre à sa une. Toujours à la une du journal, Le Chronomètre ce matin: bitumage de la voie vacant à Vagbodji à Guégué. Le CA Gisèle Rounsounou à Zandegbe rend un hommage mérité au président Patrice Talon. Dans les colonnes du journal Le Chronomètre, les détails sur le titre et le grand regard pour boucler la boucle ce matin. 8e circonscription électorale, la bête noire de l'Union progressiste. Le renouveau, a titré ce matin Le Quotidien, Le Grand Regard à sa une. En page 2, les détails sur le titre. Un autre titre à la une du journal Le Grand Regard ce matin: Cannes U20, les guépards entrent en compétition ce jour. Toujours à la une du journal Le
Grand regard ce matin, conseil communal de Sakété, l'honorable Hachidatou Fatolou dépose le tablier avec un cœur reconnaissant. Attitré ce matin, le quotidien Le Grand Regard. 33 ans après les assises de PLM à Lédio, Soglo toujours nostalgique de la conférence des forces vives, a titré ce matin Le Grand Regard à sa une. Mesdames et messieurs, c'est sur ce titre du quotidien Le Grand Regard que nous allons prendre congé de vous pour ce qui concerne la présentation de la une de quelques canards parus parvenus à notre rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt.